pour faire des plans, déjà il faut des godets. Donc quand on fait pour soi, c'est rien d'acheter encore du pétrole neuf, hein. Ça, soit ça se récupère par exemple dans les poubelles des cimetières, les gens ils en balancent plein quand ils amènent des fleurs. Soit si vous mangez des yaourts, ben voilà, on a le droit de manger des yaourts si on récupère les pots pour faire des godets. Alors c'est juste que dans les yaourts il manque les trous en dessous. Donc comment on fait? Eh ben, on prend un pot, un cutter, on fait un trou et on tourne. Voilà. 1, 2, 3, 4, et voilà, le pot là, il est parfaitement percé, il retiendra pas l'eau et ça va pas moisir dedans, c'est important pour les plots, hein. La terre, c'est pas une piscine. Après, on a du terreau, quelque chose de très riche, hein, peut-être un compost bien fait. On remplit le godet, on tasse un petit peu. Et c'est bon. Donc moi là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai des salades à tondre. Là je vais faire deux godets de laitue à tondre. Ça c'est les graines que j'ai récupérées de l'année passée. On va tester deux godets. Après les graines originales, deux godets. Ça c'est une c'est un mélange un peu différent pour pas avoir que des vertes comme ça amères, ici avoir des rouges et d'autres. Deux godets de roquette. Après, persil aussi, deux plants de basilic. Et puis, là, je vais encore faire deux ou quatre concombres, je vais voir. Et des choux de Bruxelles. Voilà, ça c'est tout ce que moi, je vais semer. En mi-mars à peu près, hein, à l'altitude où je suis, c'est nickel. Voilà, donc ça ressemble à ça. Là, les graines, elles sont vraiment minuscules. Hein. Il y a juste le concombre, où on les voit nettement mieux, qui sont nettement plus grosses. Et surtout, très important, notez ce que c'est. Donc là, moi, j'ai ma laitue à tondre de l'année passée, les graines que j'ai récoltées, LT21, ça c'est LT simple, c'est celle de du sachet original, ça c'est la laitue à couper que j'ai acheté cette année, RQ c'est roquette, P c'est persil, basilic, CB chou de Bruxelles, puis là j'ai rien mis, mais c'est les seuls godets noirs, sinon j'avais préparé aussi, j'ai coupé des bouts de briques plastiques aussi, je pourrais très bien mettre ça, et puis je vais faire ça, je vais noter dessus encore CO pour concombre, quoi. Voilà, alors on va bien mettre tout ça dans la terre et arroser ensuite. Bon, après vous doutiez qu'avec moi on allait quand même pas faire des plans comme tout le monde, hein. Parce que moi je me déplace assez peu, et puis quand je pars d'ici je le fais pour plusieurs jours, voilà, histoire d'amortir le déplacement. Donc il faut que toutes mes cultures, enfin que tout mon chez moi puisse se débrouiller tout seul pendant une petite semaine. Donc pour l'instant j'ai l'arrosage automatique qui est jusqu'ici là, voilà, donc on voit ma petite horloge, et puis à 14h tous les jours ça enclenche mon onduleur ici qui est connecté directement à la pompe dehors, et donc qui envoie une vingtaine de litres sur les cultures, et puis je mets plus en saison, enfin bref, voilà, pour l'instant c'est ça. Et mon but, ça va être de connecter aussi une petite pompe pour faire les plants, pour les arroser tous les jours un petit peu. Donc comment ça marche? Déjà on a une petite pompe ici à 10 balles qui est dans l'eau, le tuyau qui monte, et puis là on a ouais, y a beaucoup de soleil, hein, mais juste le tuyau qui sort avec une pièce qui permet de faire l'étanchéité avec je sais pas si j'arrive à vous la montrer, voilà, pièce là dessous qui permet de faire l'étanchéité avec juste un bout de plastique, donc rien de compliqué. Et du coup
On va tester ce que ça fait. Là, je remets juste un cache là-dessus, parce que sinon ça gicle partout. C'est pas le but, il y a un peu trop de pression. Voilà, comme ça. Alors, on va compter ce que ça donne pendant 40 secondes. Donc, j'enclenche l'onduleur. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça commence à se remplir. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ça flotte ici. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, c'est fini. Voilà, donc là, il y a juste un petit peu d'eau, et puis en fait, ça va redescendre directement par là où c'est venu, ça redescend par la pompe, ça a fait un petit bain. Celui-là, pourquoi il est remonté? J'ai oublié de le percer ou quoi? Ah oui, celui-là, j'ai oublié de faire les trous dedans, on dirait. Voilà pourquoi il flotte. Donc on va vite faire ça. Sinon, ça a l'air de marcher pas mal. J'ai tous mes plans là qui sont les pieds dans l'eau, c'est nickel. C'est parfait. Donc là, l'eau remonte par capillarité dans la terre. On voit la terre est complètement mouillée dans tous les godets en haut, en bas aussi. Là, ça marche super bien. Et puis 40 secondes, c'est pas mal. Ça permet de faire monter l'eau à 2 cm, voire un peu plus. Là, c'est pas le même niveau partout. Pas mal. Ben voilà, ça pourrait marcher alors. Donc on voit bien là, l'eau qui redescend par la pompe. C'est pour ça que j'ai mis ce petit filtre en haut, hein, pas qu'il y a trop de terre qui redescende par la pompe. Mais voilà, là, après une minute, c'est presque déjà complètement vidé. Donc c'est juste histoire de donner un coup d'eau au plan, pas les laisser non plus dans la flotte. Hein. Mais voilà, comme ça, c'est parfait. Parce que vous voyez, le problème ici, c'est que le matin, c'est tout gelé, hein. Il fait pas chaud. Ce matin, on est à moins 7 à peu près, donc c'est clair que là, mes plans, ils doivent vraiment rester à l'intérieur. Dehors, là, ils vont geler tout de suite, ça servirait à rien. Donc voilà, vous avez vu, je viens de mettre les graines en terre, dans les godets. Là, je pars une semaine, et on croise les doigts pour voir ce que ça va donner. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Allez. Au revoir les plans. Voilà, donc là, on est 6 jours plus tard, je reviens, et on va voir si mes plants, ils ont tenu, s'ils ont été arrosés, s'ils sont pas secs, tout morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a l'air d'avoir pas mal marché. Ouh, j'ai encore toute mon eau, là j'ai perdu 1 litre, et mes plants... Il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont sortis. Ouh, c'est pas énorme ça. Peut-être qu'il a pas fait assez chaud. Enfin. Bon, en tout cas, en 6 jours, peut-être que c'est juste trop tôt, quoi. On voit quand même là une petite pousse aussi. Peut-être là. Peut-être c'est juste trop tôt, voilà. Suivant les plans, hein, il y en a qui mettent quelques jours à sortir, d'autres 2 semaines. C'est pas mal. On va aller mettre tout ça au chaud sous la serre maintenant. Quand je suis là... Là, je sors les planches, les mets dans la serre, hein, parce qu'il fait quand même plus chaud et il y a plus de lumière. C'est très important la lumière pour avoir des plants qui se développent bien. Vous avez vu derrière là, il y a mon poulailler. Je ferai une vidéo bientôt aussi. Mais revenons aux plants. Donc voilà, je les sors le matin quand il fait assez chaud, au moins 15. La journée, à ces temps-ci, ça monte la température jusqu'à 20, 25. C'est vraiment super pour des plants. Et après... J'arrose manuellement, donc je vais pas m'embêter. Hein. Donc là, j'ai déconnecté la pompe. J'ai juste... Voilà, je mets la sortie en haut pour que l'eau reste dedans. Je la coince comme ça, par exemple. Et
je remplis d'eau. Et de nouveau, c'est super. L'eau monte par capillarité. Donc je mets comme ça quelques litres. Voilà. Et là, tout de suite, l'eau monte. La terre devient très humide là. C'est super. Quelques minutes, ça suffit. Au passage, on voit là, donc j'ai deux concombres qui sont sortis. Là, toutes mes laitues à tondre, il en manque une ici. Mon basilic, j'ai un petit basilic ici. Et là, j'ai roquette et laitue à couper qui est un peu différent. Les choux de Bruxelles, je crois que ça met un peu plus longtemps, faudra voir un petit peu. Mais voilà. De toute façon, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Hein. Des plants, tant qu'ils ont de la lumière, de la chaleur et de l'eau, ça sort. Donc voilà, faut juste éviter le gel. Donc tout ça, la nuit, je rentre. Et après quelques minutes, voilà, là, c'est bien arrosé. Donc, je reprends ma sortie et je la mets simplement dans un seau. Donc là, aujourd'hui, on est le 30 mars. Donc, ça fait un peu plus de 3 semaines que j'ai fait ces semis. Je voulais vous montrer à peu près où ça en était maintenant. En sachant que je les ai relaissés toute la semaine passée se débrouiller tout seul aussi, j'étais de nouveau absent. Donc voilà, tout est en train de sortir. J'ai même un chou de Bruxelles là, qui monte le bout de son nez. Puis là, ce qui est juste embêtant, c'est qu'ils annoncent de nouveau une période assez froide. Donc je vais être obligé de les garder à l'intérieur. Bon ben, en espérant que ça revienne vite chaud. Mais voilà, ça marche. Ça devient grand. C'est beau. À bientôt.